Je m'appelle Jan Sporenberg. Je suis artisan fromager à Gironde Chaudreau. On fait du gouda, donc le fromage néerlandais. J'ai appris à faire du fromage dans la cuisine, à la maison. Petit à petit, j'ai peaufiné la recette et on est arrivé à une recette qui marche bien, qui fait un bon fromage. Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de faire quelque chose qu'on puisse toucher vraiment à la main. Et là, on a vraiment quelque chose qu'on fait, qu'on peut dire, là, c'est moi qui l'ai fait. Nous faisons du fromage au lait cru. Il n'y a pas de traitement thermique, pas de pasteurisation. Ça veut dire qu'on a besoin d'un lait qui est assez propre. Je prends donc mon lait à côté, à 15 km de chez moi, chez une éleveuse en direct. Je vends mon fromage en partie à la fromagerie, en direct. Et à côté de ça, je livre des magasins entre Marmande et Saint-André-Cubzac. Je livre l'école ici à Gironde Chaudreau, donc à 600 mètres, pour que les enfants ils ont déjà un bon produit. On travaille aussi avec une plateforme auprès des cuisiniers qui a pour but de faire travailler les producteurs locaux avec des écoles, des collectivités dans le sud Gironde. Chaque fromage ici est identifié avec un numéro de lot. Dans la fromagerie, on a très peu de déchets. En poubelle, ça représente quasiment rien. Le petit lait de la fromagerie est en grande partie recyclé dans mon élevage de porc. Je suis en train de regarder si on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit pour prendre de l'électricité de chez nous. De temps en temps, on a des stagiaires qui viennent pour apprendre à faire du fromage. Et maintenant, c'est à moi de passer la relève. Dans l'avenir, je veux encore agrandir un peu en gouda. Et on est en train de mettre en place une ligne pour faire la mozzarella girondine.